Bonjour à tous, bienvenue une fois de plus à votre émission Le Retour à la Parole d'Elohim, le Retour à la Parole du Seigneur. C'est bien sûr votre chaîne de télévision Réveil TV. Excusez-moi. Donc nous bénissons encore une fois de plus le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde de nous retrouver ensemble pour pouvoir élever le nom du Seigneur, pour pouvoir nous encourager, mais aussi pour éveiller notre esprit par rapport au retour du Seigneur. Donc avant de commencer, nous allons prier, mais je souhaiterais vraiment avoir une pensée pour la ville, le port gentil. Et je souhaiterais qu'en un instant, si on prie pour cette ville, parce que vous savez un peu les drames qu'elle a connus ces derniers jours, notamment ce jeune homme ou cet enfant de 10 ans, de 9-10 ans qui s'est pendu, et cette dame d'une cinquantaine, soixantaine d'années qui s'est fait assassiner par son gardien. Et lorsqu'on voit tous ces fléaux, tous ces événements, nos âmes, nos cœurs sont profondément affligés. Et on peut réaliser qu'on vit dans un monde agressif. On vit dans un monde là où le bon sens a disparu. Il y a vraiment que le Seigneur pour nous aider. Donc, je t'en ai non seulement compris pour recommander les temps, mais je t'en sais qu'on a une pensée pour cette femme, pour ces familles endeuillées. Seigneur Yeshua, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, merci pour cette émission, merci pour ces familles actuellement endeuillées à Port-Gentil. Non seulement ces deux familles, mais aussi toutes les familles qui sont actuellement endeuillées. Seigneur, nous te prions de les consoler, nous te prions de te révéler à toutes ces personnes par ta grâce, par ta miséricorde, à notre Elohim. Seigneur, merci pour nos familles, Seigneur, merci pour ton œuvre. Seigneur, merci pour la chaîne de télévision Réveil TV qui est un canal de bénédiction pour beaucoup. Seigneur, merci pour nos vies. Merci de restaurer davantage la crainte de ton nom dans nos cœurs, Seigneur. En effet, nous ne voulons pas jouer à des rôles, nous voulons être sincères avec toi, Père. Tu reviens bientôt. Donne-nous de pouvoir laver nos robes, de pouvoir respecter ton nom, Seigneur. Tu nous encourages à racheter le temps parce que les jours sont mauvais, Seigneur. Nous voulons véritablement racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Seigneur, mon esprit, mon âme et mon cœur tremblent devant ta face parce que je réalise que ce jour grand et redoutable arrive à grands pas, Seigneur. Donne-nous de ne pas jouer avec le péché. Donne-nous, Seigneur, de ne pas jouer avec la chair. Donne-nous, Seigneur, de ne pas fouler aux pieds ta grâce. Tu as toutes les personnes qui nous suivent régulièrement, Seigneur, chez elles à la maison. Ma prière, Adonai, fait que tu convainc leur cœur par ta parole. Car nous ne venons pas jouer un rôle. Seigneur, nous voulons préparer les hommes, préparer les femmes, préparer nos vies, préparer ton peuple à ton retour, Seigneur, parce que tu reviens bientôt. Donne-nous vraiment de craindre ton nom, Seigneur. Donne-nous vraiment de nous sanctifier. Donne-nous vraiment, Père Adonai Yeshua, de nous éloigner de l'iniquité, car le péché blesse ton cœur, Seigneur. Restaure vraiment la crainte de ton nom dans nos cœurs. Seigneur, premièrement, je veux haïr le péché, je veux craindre ton nom, Seigneur. Donne-nous de nous préparer, Seigneur. Donne-nous de nous préparer, Seigneur. Parle-nous encore, Seigneur. Enseigne-nous encore que ta parole suscite dans nos cœurs, pas de la plaisanterie, mais que ta parole suscite dans nos cœurs une crainte totale, une crainte respectueuse. Car l'objectif n'est pas que nous prêchions bien, Seigneur. L'objectif n'est pas que les gens soient même touchés, mais l'objectif est que ta parole produise la conversion, produise la repentance des vies. Seigneur, ma prière ce soir encore, c'est que ta parole suscite dans nos cœurs, dans mon cœur, dans le cœur de mes frères, dans le cœur de toutes les personnes qui nous reçoivent, qu'elle suscite de la crainte. Parce que tout ce qui est écrit s'accomplira certainement à Adonai Yeshua. Je prie, Seigneur, que ta parole ne devienne pas à nos oreilles comme une mélodie agréable à entendre, Seigneur. Qu'elle ne satisfasse pas notre chair, mais que ta parole produise en nous la repentance, qu'elle produise en nous la conversion, qu'elle produise en nous le changement. Qu'elle produise en nous, Seigneur, un changement profond de mentalité, de cœur, d'agissement. Seigneur, parce que tu reviens bientôt. Seigneur, parce que tu reviens bientôt. Je veux respecter ton nom, Seigneur. Je veux respecter ton nom, Seigneur. Je veux honorer ta vie. Je veux honorer, Seigneur, je veux t'honorer dans ma vie quotidienne, dans mes choix, dans mes résolutions, Père. Seigneur, nous ne passons pas ici pour faire beau. Nous ne passons pas ici pour simplement faire des émissions. Mais nous passons ici parce que tu reviens. Parce que nous voulons nous préparer. Parce que nous voulons réveiller ton peuple. Seigneur, aide-nous. Aide-nous premièrement, Seigneur, à mettre en pratique ta parole. Car tu dis, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez-la en pratique.
Car ce n'est pas celui qui écoute la loi qui est justifié, mais c'est celui qui la met en pratique. Seigneur, je ne serai pas sauvé parce que je prêche. Je ne serai pas, Seigneur, enlevé parce que j'interpelle. Je serai sauvé parce que je vis ta parole. Je veux la vivre, Seigneur. Car je ne suis pas mieux que ces personnes dans ces assemblées. Je ne suis pas mieux que ces personnes qui nous écoutent, qui nous reçoivent chez elles. Seigneur, je veux craindre ton nom. Je suis davantage de la crainte. De la crainte. Mais une crainte respectueuse pour toi, Seigneur. Car souvent nous croyons que parce que nous connaissons beaucoup que nous sommes justes. Seigneur, souvent cette pensée nous traverse l'esprit. Nous pensons que nous sommes mieux parce que nous dénonçons. Seigneur, je t'en prie, Adonai. Je t'en prie, Seigneur. Tu déclares dans ta parole que tu ne fais exception de personne. Tu ne fais exception de personne. Seigneur, c'est pourquoi nous voulons tous ensemble craindre ton nom. Nous voulons tous ensemble examiner nos vies au quotidien. Nous ne voulons pas faire semblant. Si nous sommes morts dans la prière, si nous sommes morts dans la méditation, nous ne voulons pas jouer de rôle. Nous voulons supplier ton nom que tu nous ressuscites dans la prière, que tu nous ressuscites dans la méditation de ta parole. Si nous avons baissé dans la consécration, si nous avons baissé dans la crainte de ton nom, Père, nous voulons implorer ta grâce pour que tu nous ressuscites, pour que tu nous réveilles. Au nom de Yeshua, Seigneur. Au nom de Yeshua, Seigneur. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à laver nos robes. Aide-nous, Seigneur. Aide comme les cinq vierges sages. Qui ont conservé de l'huile dans leur lampe. Car cette huile, c'est l'image de ton esprit. Car cette huile, c'est l'image de ta présence. Car cette huile, c'est l'image, Père, de ta parole, de ton nom, que nous devons conserver dans nos cœurs, que nous devons conserver dans nos vies. Seigneur, nous voulons garder nos lampes allumées. Nous voulons garder nos lampes allumées, Seigneur. Car nous sommes dans une génération terrible. Seigneur, nous sommes dans une génération où les passions de la chair, nous sommes dans une génération où le péché, où l'agitation, la distraction a pris le dessus. Seigneur, nous sommes dans une génération là où le travail prend tellement du temps. Pharaon, Seigneur, a multiplié la charge pour nous empêcher d'être avec toi. Car nous voulons être éveillés. Seigneur, nous voulons être éveillés. Car tu reviens, Seigneur, comme pouvait le dire cet homme, déjà, les trompettes sont à la bouche. Déjà, la septième trompette est à la bouche, Seigneur. C'est pourquoi aide-nous véritablement à craindre ton nom. Seigneur, pardonne nos péchés. Seigneur, pardonne nos fautes. Seigneur, pardonne nos manquements. Seigneur, pardonne nos égarements, je t'en prie, Yeshua. Je t'en prie, Seigneur. Je t'en prie, Seigneur. Je t'en prie, Seigneur. Que notre amour pour toi augmente, Père. Que la grâce, que le service ne nous éloigne pas de toi, Seigneur. Merci pour ta parole. Au nom de Yeshua, Amen. Donc, que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Mon cœur est déchiré, mon cœur est brisé. Et je prie vraiment que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Parce que nous sommes vraiment dans des temps critiques. Comme personnellement, j'ai lu l'histoire de ce jeune homme, de cet enfant de 10 ans qui s'est pendu, mon âme a été déchirée. Quand j'ai vu cette femme qui a été poignardée avec un tournevis par son gardien, mon âme a été profondément touchée. Et on peut réaliser qu'on vit dans un monde cruel. On vit vraiment dans un monde cruel et je vous assure, pour vous qui nous regardez, le Seigneur Yeshua est vraiment la solution, est vraiment la solution. Donc toutes les émissions que vous regardez suscitent dans vos cœurs le désir de changer de vie. On n'attend pas que les gens apprécient les émissions, on n'attend pas que les gens forcément fassent et mettent des commentaires. Non, on fait qu'on veut que ces émissions produisent dans chacune de nos vies, c'est la conversion, c'est la repentance. C'est l'attachement au Seigneur, pas l'attachement à un homme. Vous pouvez regarder des vidéos des frères ici et là. Nous voulons que ces émissions produisent en vous l'attachement au Seigneur. Parce que je vous assure, son retour est tellement imminent. Il n'y a qu'à voir dans l'esprit, on peut réaliser que la trompette en esprit va bientôt retentir. Et si on n'est pas prêt, on va rester. Ézéchiel 18 nous parle du juste, que si le juste abandonne toute sa justice, il ne sera pas sauvé. Il ne sera pas sauvé. Donc ce qui compte aujourd'hui pour nous, ce n'est pas de partager, c'est de vouloir craindre le Seigneur, c'est de vouloir l'aimer,
c'est de vouloir garder sa parole. Donc que le Seigneur soit béni. Nous allons ce soir partager, nous sommes toujours sur la thématique de la fin des temps. Nous allons aborder ce jour avec vous le jour de Yahweh, qu'on appelle communément le jour du Seigneur. On a commencé, on a parlé de la résurrection. On a vu, il y a cela 3-4 vendredis à peu près, si j'ai bonne mémoire, qu'il existe deux types de résurrection. On a commencé, on avait abordé la première phase de la première résurrection, qui est l'enlèvement de l'Église, de l'enlèvement de l'Ecclésia, de l'Assemblée. Et on a vu que cette première phase se déroule en deux événements. On a d'un côté la résurrection des morts, commençant par le brigand à la croix, n'est-ce pas, qui a ouvert le bal, et tous ceux qui sont décédés après Yeshua, donc de tous ceux qui font partie de l'Église, de l'Assemblée du Seigneur. Et on a vu que ceux qui seront vivants seront changés, seront transformés. On a vu que tout cela se passera en un clin d'œil, en un instant, à la septième trompette du Seigneur. Après l'enlèvement, on a vu que lorsqu'on est enlevé, on va au ciel pour recevoir nos couronnes. On a parlé du tribunal du Mashiach. On a vu que le tribunal n'a rien à voir avec la condamnation, mais plutôt avec la façon avec laquelle on aura servi le Seigneur, comment on aura mis en évidence les dons, les grâces et les talents qu'on aura reçus. On a vu qu'après le tribunal de Christ, le tribunal du Mashiach, on vivra les noces de l'agneau. Donc on a vu que si on se réfère au mariage chez les Juifs, les noces sera certainement 7 ans. Donc durant 7 ans, on sera au ciel à célébrer avec le Seigneur. Et on a vu que pendant ces 7 ans sur la terre, il y aura d'une part 3 ans et demi de semblant de paix et 3 ans et demi de grande tribulation. Donc on a vu ces différents événements dans les détails. Et pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi, certainement lors des rediffusions, vous pourrez le regarder. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, on va aborder un nouveau pan. Donc ce qui se passe après la grande tribulation. Donc on va parler du jour de Yahweh. Et on verra 3, 4, sinon 5 événements qui se déroulent dans le jour de Yahweh. Donc le jour de Yahweh se matérialise par plusieurs événements. Et le jour de Yahweh renvoie à quoi concrètement? Le jour de Yahweh renvoie au temps marqué par le Seigneur, au temps choisi par le Seigneur pour intervenir de façon directe dans les affaires humaines. On peut le voir aujourd'hui que le Seigneur n'agit pas, n'intervient pas de façon directe. Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'ère du péché, nous sommes dans l'ère de la domination de Satan. Et on voit que le Seigneur certes intervient, mais il n'intervient pas de façon directe. Lorsqu'on parle de façon directe, c'est-à-dire qu'il intervient de façon physique. Aujourd'hui, il intervient beaucoup plus en esprit, par le canal de l'Église. C'est nous qui matérialisons plus ou moins actuellement le royaume du Seigneur par tout ce qu'il fait par l'Église. Donc c'est par nous en ce moment, c'est par l'Église que le Seigneur Mashiach est révélé. Et lorsqu'on parle de son jour, c'est qu'il apparaîtra physiquement et que physiquement il interviendra dans les affaires humaines. Donc on va parler ce soir du jour de Yahweh et on va sans plus tarder prendre nos Bibles dans d'abord 2 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 7. Donc le jour de Yahweh commence par quoi? Le jour de Yahweh commence par l'avènement du Seigneur. Alors l'avènement du Seigneur nous parle de quoi? L'avènement du Seigneur nous parle de la parousia en grec. Parousia nous parle de présence physique, de présence matérielle, de présence dans la gloire. Donc le jour de Yahweh débute avec l'avènement du Seigneur. Et l'avènement du Seigneur, c'est quoi? C'est son apparition, sa présence physique, matérielle, palpable. Donc on est dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, on lira à partir du verset 7. Car le mystère de la violation de la Torah est déjà à l'œuvre. Seulement celui qui le retient en ce moment le fera jusqu'à ce qu'il soit hors du chemin. Verset 8. Et alors sera révélé le violeur de la Torah, que le Seigneur détruira par l'esprit de sa bouche et qu'il anéantira par l'apparition de son avènement. Donc on apprend ici, on va regarder le curseur sur le verset 8, on dit, et alors sera révélé le violeur de la Torah, que le Seigneur détruira par l'esprit de sa bouche et qu'il anéantira par l'apparition de son avènement. Donc on apprend ici que le Seigneur détruira le violateur de la Torah, donc l'anti-Mashiach qu'on appelle l'antichrist, par le souffle de sa bouche, mais par l'apparition de son avènement. Donc le Seigneur mettra fin au règne de l'anti-Mashiach lorsqu'il apparaîtra de façon physique.
Alléluia. Donc on peut enlever le passage. Donc je voulais lire avec vous ce passage premièrement pour qu'on comprenne que le Seigneur détruira l'antimachia par l'apparition de son avènement. Donc l'avènement nous parle de quoi? L'avènement nous parle du retour physique du Machia. Et le Seigneur reviendra après quel événement? Donc le Seigneur reviendra de façon physique après la grande tribulation. Donc le jour de Yahweh commence avec l'avènement du Seigneur. On est dans Apocalypse chapitre 1. On va lire à partir du verset 7. Donc pour tous ceux qui ne croient pas, pour tous ceux qui n'espèrent pas en Yeshua, pour tous ceux qui se disent qu'il est mort, qu'il est enterré, on apprend ce soir que le Seigneur reviendra physiquement, il reviendra dans la gloire. Retenons qu'il y a eu deux avènements du Seigneur. La Bible nous parle de deux avènements du Seigneur. Le premier avènement, Isaïe 53, nous en parle. Isaïe 53 nous parle de cette faible plante qui est arrivée, de cet agneau, n'est-ce pas, qui est allé à la boucherie. Donc le premier avènement du Seigneur s'est matérialisé lors de sa première venue. Il est venu en tant qu'agneau. Parce que le Seigneur, c'est deux grandes faces. La face de l'agneau et la face du lion. La face de l'agneau, c'était la face du sacrifice, c'était la face de la croix, de sa mort à la croix. Donc, premièrement, le Seigneur est venu. On l'a vu, on peut le voir dans les évangiles, Matthieu, Marc et Luc. Donc, il est venu comme un agneau. Il est allé à la croix. Il est mort pour nos fautes, pour nos péchés, pour nos offenses. Deuxième avènement du Seigneur, il reviendra en tant que lion. Pourquoi en tant que lion? Parce que il viendra matérialiser son règne, sa royauté, sa domination. Et il viendra établir le jugement sur les nations. Et on sait que le lion, c'est le roi de la forêt, n'est-ce pas, le roi de la jungle. C'est le lion qui met en évidence sa domination. Donc le deuxième avènement du Seigneur nous parle de son règne, de sa domination, de son autorité. Donc dans Apocalypse, le chapitre 1, on va lire à partir du verset 7. Voici, il vient avec les nuées. Donc ici, les nuées nous parlent de témoins. Nuées nous parlent de témoins, nous parlent de martyrs, nous parlent de témoins. Donc voici, il vient avec les nuées. Donc il vient avec les témoins, il vient avec l'Ecclésia. Il vient avec l'assemblée d'Elohim. Il vient avec ce qu'on appelle communément l'Église. Il vient avec l'épouse. Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Donc on apprend quoi ici? Que lors de son deuxième avènement, le Seigneur viendra et tous ceux qui l'ont percé le verront. N'est-ce pas? Toutes les personnes qui l'ont percé le verront. Pourquoi? Parce que la matérialisation de sa mort sera encore manifeste. Notamment la marque de clous sur ses mains et sur ses pieds. Donc on va repartir sur le passage, s'il vous plaît, les frères. Donc on dit, et tous ceux qui l'ont percé, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine de chagrin à cause de lui. Oui, amen. Verset 8. Oui, je suis l'Alèphe et le Tav, le commencement et la fin, dit le Seigneur, qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. On peut enlever le passage. Donc ici, le Seigneur nous parle de ces trois dimensions. Il dit, il est celui qui était, celui qui est et qui vient. Celui qui vient nous parle de son avènement physique. Mais on apprend quoi ici? Que tout œil le verra. Enfin, imaginez-vous cet événement. Ça va être terrible. Parce que le monde, c'est quasiment 4, sinon 5 continents. Lorsqu'on ajoute l'Océanie, c'est quasiment 4, sinon 5 continents. Mais on apprend que toutes les nations de la terre le verront. C'est glorieux. Sur le plan humain, sur le plan physique, c'est pas possible. Ce n'est même pas possible par le net, par la télévision, de tous être câblés sur le même programme. Parce que tout le monde n'a pas la même information au même moment. Mais on dit que tout œil, on n'a pas dit par le canal de la télévision ou d'un média interposé, on dit que tout œil le verra. Donc tous les habitants de la terre verront l'avènement du Seigneur. Le verront de façon physique. Et c'est en ce temps-là qu'il confirmera aux religieux. Qui confirmera aux musulmans, aux catholiques, aux protestants, à toutes ces religions qui ne croient pas qu'il est le Machia. Il confirmera ce jour qu'il est bel et bien le Créateur, qu'il est bel et bien le salut de l'humanité. Parce que tous les yeux le verront. Donc même ceux qui l'ont percé là,
Ils le verront. Ça va être quelque chose, frère. On dit que tout le verra, il vient avec des nuées. C'est un jour redoutable. L'avènement du Seigneur. Mais la partie qui nous importe, c'est nous l'Église, nous son épouse, on viendra avec lui sur le cheval blanc, on le verra tout à l'heure. Donc le jour de Yahweh, le jour du Seigneur commence avec son avènement. Donc là, on est en train de voir l'avènement du Seigneur qui est son apparition physique, matérielle. Il viendra dans la gloire. On va basculer dans Apocalypse chapitre 19. On va lire à partir du verset 11. Oui, frères, nous avons une espérance. Souvent, lorsqu'on prêche l'évangile, on nous dit, vous parlez de Yeshua, vous l'avez vu. Oui, mais ce jour-là, on le verra. Et ça nous suffit. Apocalypse chapitre 19, on est à partir du verset 19. 11, autant pour moi. Et je vis le ciel ouvert, et voici paru un cheval blanc. Et celui qui est assis sur lui s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Verset 12. Et ses yeux sont comme une flamme de feu. Et il y a sous sa tête beaucoup de diadèmes. Il a un nom écrit que personne ne connaît excepté lui-même. Ça veut dire qu'il y a un nom que le Machia va nous révéler. Verset 13. Et il était revêtu d'un vêtement trempé de sang. Ce vêtement trempé de sang nous parle du carnage qu'on va voir tout à l'heure lors de la bataille d'Amargédon. Et son nom s'appelle la parole d'Elohim. Donc on apprend ici que la parole d'Elohim a un nom. Ce nom l'a fait Yeshua. Verset 14. Et les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs. Donc cette armée est composée de qui? Mais de tous les anges d'abord qu'il y a au ciel. Notamment les archanges avec l'homme Michael le chef. Mais aussi de l'église, de l'épouse. Parce que nous avons été enrôlés dans l'armée du Seigneur. Donc on dit, et les armées qui sont dans le ciel. Parce que nous on sera déjà au ciel. Donc on dit, et les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs. Donc on reviendra avec lui sur des chevaux blancs. Revêtus de fin blanc et pur. Donc on va s'arrêter là. On peut enlever le passage. Donc ce passage d'Apocalypse nous apprend que le Seigneur revient sur un cheval blanc. Avec toutes les armées qui sont dans le ciel, les archanges. Et là, je crois qu'en ce moment, tous les anges seront transformés en armées, en anges guerriers. On n'aura plus besoin de messagers. Donc, ils seront tous les anges au ciel, là, seront certainement transformés en anges guerriers. Parce que là, ce sera le temps de la guerre du carnage. Et nous aussi, l'église, qui seront au ciel, nous serons, n'est-ce pas, on viendra sur les chevaux blancs. On viendra avec le Machia. Je vous assure, vous qui nous écoutez, cette parole est véritable et certaine, elle s'accomplira. C'est pourquoi battons-nous pour nous sanctifier. Battons-nous pour craindre le Seigneur. Ce n'est pas toujours facile. Mais battons-nous pour tenir ferme. Parce que cette espérance est véritable. On reviendra dans la gloire avec le Seigneur Yeshua. Sur les chevaux blancs. Mais on dit que sa robe, n'est-ce pas, était remplie de sang. Pourquoi le sang? Parce que justement, lorsqu'il revient physiquement, le premier événement qui se passe, c'est la bataille d'Amargédon. Il y aura du sang ce jour-là. Ça va saigner. Les rois, les présidents, les armées de la terre sentiront la colère divine du Machia. Le jour de Yahweh est un jour de terreur, est un jour terrible. Donc on a pris dans Apocalypse 1 et Apocalypse 19 que le Seigneur viendra sur des nuées. Il viendra avec des nuées, autant pour moi. Donc c'est son avènement, c'est son retour physique. On peut aussi prendre Zacharie chapitre 14. On va prendre Zacharie chapitre 14. On va lire à partir du premier verset. Donc on est sur la fin des temps, mais aujourd'hui on développe le jour de Yahweh. Donc on voit les différents événements qui sont inclus dans le jour de Yahweh. Donc on voit ici que le jour de Yahweh commence avec l'avènement du Machia. Et Zacharie chapitre 14, on va lire à partir du premier verset. Voici le jour de Yahweh arrive. Donc comme on a vu que le jour de Yahweh, c'est le temps arrêté par le Seigneur où il viendra intervenir de façon directe, de façon physique et matérielle dans les affaires humaines. Voici le jour de Yahweh arrive. Et on dit quoi? Que quand ce jour arrive, qu'est-ce qui se passe après? Et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi, Yerushalem. Les dépouilles ici, c'est les cadavres.
Et on dit étaient cadavres, étaient dépouilles. Donc on apprend que lorsque le jour de Yahweh va arriver, lorsque le Seigneur reviendra physiquement, il y aura des cadavres, il y aura des dépouilles. Et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi, Jérusalem. Pourquoi Jérusalem? Parce que la bataille d'Armageddon se passera là-bas, à Megiddo, sur la montagne de Megiddo. Ça va être terrible. Verset 2. Je rassemblerai toutes les nations à Jérusalem pour qu'elles lui fassent la guerre. Donc, on va d'abord enlever le passage, s'il vous plaît. On va enlever le passage un instant. J'ai envie de préciser une chose. On parle du jour de Yahweh et on a vu premièrement que le jour de Yahweh commence avec son avènement, son retour physique. Donc, deuxièmement, on poursuit le jour de Yahweh. Le deuxième événement qui se matérialise dans le jour de Yahweh, c'est la bataille d'Armageddon. Donc, c'est ce qu'on s'apprête à développer ici. Donc, le jour de Yahweh, c'est un, l'avènement du Seigneur, donc son retour physique, sa parousia, son retour dans la gloire. Et deuxièmement, le deuxième événement du jour de Yahweh, c'est la bataille d'Armageddon. Donc, on peut remettre le passage. C'est toujours important d'apporter des précisions, parce que c'est pas des choses forcément facile à comprendre. Donc, je rassemblerai toutes les nations à Jérusalem pour qu'elle lui fasse la guerre. Donc, la bataille d'Armageddon, c'est la guerre des nations contre Jérusalem. Mais Jérusalem aura en ce temps-là pour roi lui-même le Mashiach et toutes les armées du ciel. Donc, la ville sera prise, les maisons pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité. Mais le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. Verset 3. Alors Yahweh sortira. On est sur le verset 3, s'il vous plaît, les frères. On peut monter un peu le verset 3 parce que je n'ai pas une bonne visibilité. Merci. Alors Yahweh sortira et il combattra contre ses nations comme il a combattu au jour de la bataille. Verset 4. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. Donc, quand le Seigneur viendra physiquement, c'est magnifique parce que la pression nous dit qu'il va poser son pied sur la montagne des Oliviers à Jérusalem. Non, levons d'abord un peu le passage, s'il vous plaît, les frères, pour un instant. Parce que là, l'information là me choque. Donc, on apprend que l'avènement du Seigneur, son retour physique, sera matériel à Jérusalem. Donc, c'est à Jérusalem qu'il posera son pied sur la montagne des Oliviers. Mais on apprend quand même que toutes les nations de la terre le verront. Ça va être quelque chose. Comment depuis Jérusalem, quelqu'un pose son pied sur la montagne, mais toutes les nations de la terre pourront le voir. Parce qu'on a déjà vu que beaucoup de nations seront rassemblées à Jérusalem, mais toutes les nations ne seront pas rassemblées à Jérusalem. Parce que tous les habitants de la terre ne participeront pas à la bataille d'Armageddon, on le verra tout à l'heure. Les femmes, notamment les enfants, et quelques hommes qui n'auront pas beaucoup de courage, n'est-ce pas, n'iront pas à la bataille d'Armageddon. On verra les personnes concernées. Donc, ce sera quelque chose. Donc, quand le Seigneur revient physiquement, il dépose son pied sur la montagne des Oliviers à Jérusalem. Et après là, on rentre dans la bataille d'Armageddon. On peut remettre le passage, s'il vous plaît, les frères. Ses pieds se poseront ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. Et la montagne des Oliviers se fondra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, de sorte qu'il y aura une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le nord et l'autre moitié vers le midi. Donc on va d'abord s'arrêter là pour l'instant. Donc on apprend ici que lorsque le Seigneur vient, il pose son pied à Jérusalem. Pourquoi? Parce que c'est à ce lieu, en face de Jérusalem, que se déroulera la bataille d'Armageddon. Donc, premier événement, avènement du Seigneur, retour physique. Deuxième événement, bataille d'Armageddon. Donc, on va prendre un autre passage pour la bataille d'Armageddon dans Joël chapitre 3. Joël chapitre 3, on va lire à partir du verset 9. Donc, c'est quoi la bataille d'Armageddon? La bataille d'Armageddon, c'est cette guerre, cette bataille qui mettra en match ou en compétition ou en adversaire, en adversité, le Seigneur Yeshua et son armée, donc constituée des anges et de l'Église qui aura déjà des corps semblables à ceux des anges, n'est-ce pas, contre les armées de la terre. Donc, quand vous voyez aujourd'hui chaque pays, on est tous d'accord, chaque pays a une armée. Toutes les armées de la terre, en fait, sont mises en place, c'est pas pour la terre en vérité.
Toutes les armées sont mises en place en attente de la guerre, de la bataille d'Amargédon. C'est la véritable notion des armées. Donc toutes les armées de la terre là sont mises en place en attente de la bataille d'Amargédon. Donc on est dans Joël chapitre 3 à partir du verset 9. Publiez ceci parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les hommes vaillants, qu'ils s'approchent et qu'ils montent tous les hommes de guerre. Verset 10. Fongez des épées de vos oyaux ou de vos oyaux, et des lances et de vos serpes, et que le faible dise je suis fort. En ce jour-là, tous les juifs pourront dire qu'ils sont forts parce que le Mashiach sera avec eux. Verset 11. Hâtez-vous et venez. Vous toutes les nations d'alentour et rassemblez-vous. Là, ô Yahweh, fais descendre tes hommes vaillants. Dans le Seigneur fera descendre ces hommes vaillants et c'est nous l'Église. Verset 12. Que les nations se réveillent et qu'elles montent à la vallée de Josaphat. Donc à la vallée de Josaphat ou de Megiddo. Car là je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Verset 13. Saisissez la fossile. Car la moisson est mûre, venez et descendez, car le pressoir est plein, les cuivres égorgent, car la méchanceté est grande. Verset 14. Des multitudes, dans la vallée du jugement, car le jour de Yahweh est proche dans la vallée du jugement. Verset 15. Le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. Donc ici on nous parle des heures qui précède la bataille d'Amargédon. On dit que la lune et le soleil vont s'obscurcir. Les étoiles n'auront plus d'éclat. Ce sera un jour terrible. Et on dit que ce jour-là, le fait de Jérusalem pourra dire qu'il est fort. Parce que le roi, le Mashiach, sera à ses côtés. Prendra sa défense. Parce qu'on a vu que le jour du Mashiach précède la bataille de la grande tribulation. Mais qu'est-ce qui se passe dans la grande tribulation? On a vu que les juifs seront persécutés, troublés, les femmes seront violées, les enfants seront éventrés. Donc quand le Mashiach arrive, il vient mettre fin à la grande tribulation. Il vient mettre fin au règne des nations. Merci Seigneur. Donc on avait déjà vu que le temps des nations a commencé avec la déportation en Babylone en 586-87 avec Nebuchadnezzar, n'est-ce pas? Et le temps des nations s'écoule jusqu'à aujourd'hui. Et le temps des nations prendra fin justement à ce moment-là, quand le Seigneur reviendra physiquement, n'est-ce pas, et il va juger les nations. Donc lors de la bataille d'Amargédon, il y a non seulement la guerre de façon physique des armées célestes et des armées de la terre, mais il y aura aussi en même temps le jugement des nations qu'on a vu. Dans la bataille d'Amargédon, il y a quel événement? Il y a la guerre contre les rois, les présidents de la terre, mais aussi le jugement des nations. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment que prendra fin le règne des nations. Parce que le Seigneur sera en train de précéder, de préparer le millénium, le royaume. Donc, on va prendre encore notre passage. J'espère que c'est assez clair et limpide. On va prendre notre passage dans Matthieu 24. Matthieu chapitre 24. Donc, on parle du jour de Yahweh, qui commence avec la bataille, avec l'avènement du Seigneur, son retour physique. Deuxièmement, avec la bataille d'Amargédon qui opposera l'armée du Seigneur, dont lui-même sera la tête, et les armées de la terre. Et on a vu que dans le même élan de la bataille d'Amargédon, il y aura aussi le jugement des nations. Matthieu chapitre 24. On va lire à partir du verset 25. Oui, non, à partir du verset 29, autant pour moi, s'il vous plaît. Mais immédiatement après ces jours de tribulation, donc on dit immédiatement après ces jours de tribulation. Donc, après les 3 ans et demi, il n'y aura plus de temps qui va s'écouler. Donc, immédiatement après la grande tribulation, donc immédiatement après ces jours de tribulation, le soleil sera obscurci. Oh! Le jour du Mashiach fera en sorte que le soleil s'obscurcisse. La lune ne donnera plus sa lumière. Même la lune ne pourra plus éclairer. Pourquoi? Parce que ce sera un jour de sang. Un jour, le jour de Yahweh est appelé aussi le jour de vengeance. La lune ne donnera plus sa lumière. Et les étoiles tomberont du ciel. Donc les étoiles physiques tomberont du ciel. Et les puissants de Dieu seront ébranlés. Donc il n'y aura plus d'étoiles.
Les astres, toutes ces choses vont tomber. Pourquoi? Parce que le Mashiach revient dans toute sa gloire, dans toute sa majesté, sa puissance, pour briser le règne des nations. Et là, ça accomplira, n'est-ce pas, la vision de Daniel 7. Où il a vu qu'il y a une pierre qui s'est détachée de nulle part, qui est venue frapper la statue. Parce que cette statue de Daniel là représente le règne des nations. Matérialisé par les quatre grands empires historiques, mais matérialisé aussi par le règne des nations actuellement, de nos pays là. Donc la prophétie de la vision de Daniel s'accomplit là en ce moment. C'est là où la petite pierre se détache. Et on a vu qu'après cette petite pierre est devenue quoi? Une grande montagne. Alléluia. Parce que le Mashiach, après la bataille d'Armageddon, établira son règne physique. Donc cette prophétie s'accomplit. La pierre se détache, elle frappe la statue de Nebuchadnezzar. Elle frappe, elle vient briser le règne des nations. Par la bataille d'Armageddon, les nations vont payer cher. C'est pourquoi vous, Église, nous, épris du Seigneur, ne baissons pas les bras. Craignons le Seigneur parce que ce jour est terrible. On parle du jour de Yahweh. On repart dans Matthieu 24, s'il vous plaît, les frères. Ce message excite mon âme en profondeur. Verset 30. Et alors le signe du Mashiach, donc alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Donc un signe. Et alors toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine de chagrin et verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance. On dit qu'il vient avec puissance et une grande gloire. On comprend, lever le passage, c'est bon. Non, on peut lire le verset 31. Lisons le verset 31, oui, ça nous intéresse. Et il enverra ses anges avec un grand son de la trompette. Un grand son de trompette. Et ils rassembleront les élus des quatre vents, les extrémités des cieux à leur extrémité. Ici, au fait, comme on l'a vu dans la grande tribulation, les juifs vont s'exiler dans toutes les nations. Donc, les élus, il s'agit, ce n'est plus l'église. Les élus, il s'agit ici, c'est les juifs que le Seigneur va rassembler des quatre vents parce que nous, l'église, on sera déjà partis. Donc lorsqu'il revient physiquement, les anges vont prendre leur trompette, vont sonner, ils vont rassembler les élus. Donc les juifs qui auront, n'est-ce pas, qui se convertiront, qu'on verra tout à l'heure. Ces juifs-là seront rassemblés des quatre vents, les extrémités de la terre. Amen. Voilà, on peut enlever le passage. Et on apprend que le Seigneur viendra avec puissance et une grande gloire. Donc lors de sa première venue, il est venu misérablement. Il faut le dire comme ça, il est venu comme un simple homme. Et Esaïe dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Mais on apprend qu'ici, il vient avec puissance. Puissance, ici, nous parle de dynamisme. Et on dit qu'il vient avec puissance, une grande gloire. Et dynamisme, ici, c'est la capacité de renverser les royaumes, de renverser les puissances. Là, le Seigneur vient avec l'autorité. Il vient renverser les royaumes de la terre. Il vient avec une grande gloire. La parousia. Ça va être magnifique. Il va être resplendissant. Et nous, on sera à ses côtés. Et cette espérance est vivante. Cette espérance est véritable. C'est pourquoi nous ne devons pas baisser les bras. Persévérons. Donc, ici, on est en train de voir le début de la bataille d'Armageddon. Donc, le Seigneur revient physiquement. Bataille d'Armageddon, jugement des nations. On est dans Apocalypse, maintenant, chapitre 16. Apocalypse, chapitre 16. On va lire à partir du verset 13. Apocalypse, chapitre 16. On va lire à partir du verset 13. On est dans Apocalypse, chapitre 16, à partir du verset 13. Et je vis sortir de la gueule du dragon et de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits impurs semblables à des grenouilles. Verset 14. Car ce sont des esprits de démons qui produisent des signes et qui vont vers les rois de la terre et de toute la terre habitée afin de les rassembler pour la guerre du grand jour d'Élohim Tout-Puissant. J'ai envie d'ouvrir une petite parenthèse. Verset 14 dit quoi? Car ce sont des esprits de démons. Répétons verset 14, petite parenthèse. Car ce sont des esprits de démons qui produisent des signes. Signe ici nous parle de miracle. On peut avoir levé le parfait, s'il vous plaît. Fais une petite parenthèse. Pour vous nous amener à comprendre qu'un véritable serviteur du Seigneur n'est pas reconnu à cause des signes qu'il produit. Ils sont dit qu'il y a des démons qui vont dans toute la terre et qui font que les habitants de la terre produisent des signes, produisent des miracles. Donc la matérialisation d'un véritable serviteur du Seigneur, ce n'est pas les signes et les prodiges. C'est d'abord par sa vie de sainteté, mais c'est aussi par le message qu'il prêche. Donc on apprend ici qu'il y a beaucoup de signes et de prodiges qui sont faits, mais c'est par des démons.
C'est une petite parenthèse. Donc ne soyons pas impressionnés par les miracles qu'on voit ici, là, qu'on voit là, ici et là, partout. Parce que ces démons-là sont envoyés vers le roi de la terre, sont envoyés vers de faux prophètes, sont envoyés vers de faux pasteurs pour qu'ils éblouissent le peuple avec de faux signes. Mais c'est des signes diaboliques. C'est pourquoi le véritable signe nous a déjà été donné. Le véritable signe, c'était quoi? C'était la mort et la résurrection du Machia. Et ce signe en nous produit quoi? La sainteté, produit la repentance, produit la crainte du Seigneur, produit la persévérance dans la foi. On fait une petite parenthèse pour dire chrétiens d'assemblée, ne soyons pas impressionnés par les miracles. Parce qu'au ciel, bien sûr, il y aura des gens qui iront, ils seront paralytiques. Les gens iront au ciel, ils seront boiteux, aveugles pour certains malades. Mais c'est au ciel, n'est-ce pas, que leurs corps seront changés, qu'ils auront la guérison totale de leur corps physique, parce qu'ils seront revêtus de corps incorruptibles. Donc c'est pourquoi nous ne courons pas après les miracles. Courons après la crainte du Seigneur. Courons après la sainteté, ne courons pas après les miracles. Parce que tu peux être malade et aller au ciel. La maladie n'empêchera jamais quelqu'un d'être sauvé. La pauvreté n'empêchera jamais quelqu'un d'être sauvé. Mais ce qui empêche d'être sauvé, c'est le péché. Ça ne sert de quoi après le miracle, alors que ta vie de péché n'est pas réglée. Alléluia. On peut revenir sur le passage, c'est une petite parenthèse. Donc, on apprend que ces anges l'avons rassemblé, donc, afin de les rassembler pour la guerre du grand jour de l'homme tout puissant. Donc, on dit pour la guerre du grand jour de l'homme tout puissant. Donc, la bataille d'Amagédon, c'est la bataille d'Elohim. La bataille du tout puissant. Pourquoi on précise le tout puissant? Parce qu'en face de lui, il y aura des puissances. Mais lui, sa puissance est au-dessus. Verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Béni est celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin de ne pas marcher nu et qu'on ne voit pas sa honte. Donc ici dit, voici, je viens comme un voleur. Béni est celui qui veille. Donc on doit veiller dans la prière, veiller dans la sainteté et qui garde ses vêtements, afin de ne pas marcher nu. Parce que la nudité, c'est l'image du péché. La nudité fait l'image de la séduction. La nudité fait l'image de la légèreté. Et qu'on ne voit pas sa honte. Parce que justement, le péché nous expose. Verset 16. Et on les rassemblera dans le lieu qui est appelé en hébreu Armageddon. Est-ce que les frères peuvent appuyer le curseur sur le petit 2 qui est sur Armageddon? Il y a une définition qui est censée s'afficher. Donc le terme Armageddon, mentionné uniquement dans ce passage, vient du mot hébreu Armageddon. Amagidon. C'est pas évident, c'est un peu loin, mais ça va aller. Ce qui signifie montagne de Megiddo. Bien qu'il n'existe pas de montagne portant spécifiquement ce nom, l'emplacement probable de cet endroit est la plaine de Megiddo, se trouvant à proximité de Jérusalem. Par le passé, elle fut le théâtre de la victoire de Barak sur les Cananéens. Voilà, merci. Donc, et puis, à la suite. Voilà. Donc on peut enlever le passé. Donc on apprend ici que toutes les nations seront rassemblées à Megiddon, à la fin de la vallée de Megiddo. Donc on parle de la vallée de Megiddo. Voici pourquoi on parle de la bataille d'Armageddon. Pourquoi? Parce que cette guerre se passera au niveau d'Armageddon. On a vu que c'est un lieu géographiquement qui a existé, qu'on peut aussi appeler souvent la montagne de Josaphat. Ça va être un lieu de carnage. Donc c'est à ce lieu-là que se déroulera la bataille d'Armageddon. On est dans Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 17. Donc le Seigneur revient physiquement, premier événement, deuxième événement, bataille d'Armageddon et jugement des nations. Donc là on voit presque en simultané la bataille d'Armageddon et le jugement des nations. Apocalypse 19, on va lire à partir du verset 17. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d'une grande voix, disant à tous les oiseaux qui volent au zénith dans le ciel, venez et rassemblez-vous pour le grand souper d'Elohim. Donc la bataille d'Armageddon aussi est appelée ici le souper d'Elohim. On va manger la chair des nations. Comprenez le langage. Parce que le souper, c'est le repas. Donc les oiseaux du ciel vont se rassasier de la chair des rois des nations. C'est la parole qui le dit, ça va être terrible. Donc, rassemblez-vous pour le grand souper d'Elohim. Dans la bataille d'Armageddon, et aussi appelé le grand souper d'Elohim. Verset 18. Afin de manger la chair des rois. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit ici. Donc, on va manger la chair des rois.
la chair des chefs militaires, la chair des puissants et la chair des cheveux de ceux qui les montent et la chair de toutes sortes de personnes libres, est-ce là petit et grand? On va garder le pas sur l'écran. Donc on va comprendre ici que la bataille d'Amargédon concerne qui? Ça concerne les rois. Donc les rois nous parlent des présidents, nous parlent de tous ceux qui gouvernent. Prenez en notion. Donc iront à la bataille d'Amargédon tous les présidents, les rois, les députés, les sénateurs, les maires. Ici la royauté nous parle de ceux qui gèrent, qui gouvernent. Deuxièmement, les chefs militaires. Oui, bien sûr, alléluia, ce sont les oiseaux qui vont manger la chair des rois. Amen. Comme ça a été dit plus haut. Donc, on est où? On est sur le verset 18. On apprend quoi? Qu'il y aura des rois, donc les gouvernants, les présidents, toutes ces personnes. On prend aussi de la chair des chefs militaires. Donc, à la bataille d'Amargédon, il y aura toutes les armées, les chefs militaires. Pourquoi on parle de chefs militaires? Parce qu'on est d'accord que c'est le chef militaire qui peut être, qui est le colonel, par exemple. Le colonel dirige l'armée et l'armée le suit. Donc, lorsqu'on parle de chefs militaires, on parle de chefs militaires de leur armée. Donc, sont concernés par la bataille d'Amargédon les rois, donc les présidents, les ministres, tous ceux qui règnent. Deuxièmement, les chefs militaires et leur armée. Troisièmement, la chair des puissants. Les puissants peuvent représenter, n'est-ce pas, des hommes influents qui règnent, qui dominent. Donc, ça peut représenter, en dehors des hommes politiques ici, qui la politique est représentée par les rois, on parle aussi des puissants. Donc, il peut avoir des grands sportifs, il peut avoir des hommes d'affaires, des gens qui règnent. Il peut avoir les ngangas, les charlatans, en tout cas les puissants, tout ce que vous savez qui règnent là, les puissants, ils seront là. Et la chair des chevaux de ceux qui les montent. Donc, on apprend qu'il y a une quatrième catégorie de personnes, ceux qui ne feront pas partie de l'armée, n'est-ce pas? Donc, on dit, et la chair des chevaux de ceux qui les montent. Donc, ici, la quatrième catégorie, ce n'est pas l'armée, ce n'est pas le pouvoir politique, ce n'est pas les hommes puissants, mais c'est des hommes naturels. Donc ici, on nous parle aussi des hommes naturels qui haïront le Seigneur et qui décideront d'aller. Et on parle de la et quoi? Et la chair de toutes sortes de personnes, c'est bien mentionné, merci Saint-Esprit, de toutes sortes de personnes libres, esclaves, petits ou grands. On peut d'abord lever le passage un instant. Donc on apprend ici qu'à la bataille d'Amargédon, il y aura des petits, il y aura des grands. Donc il y aura des jeunes, des moins jeunes. Il y aura des personnes libres. Il y aura même des prisonniers. Donc en ce temps, n'est-ce pas, les armées physiques libérées ouvriront les prisons massivement. Les prisonniers pourront sortir. Donc les esclaves ici, c'est des esclaves physiques, mais c'est aussi l'image des prisonniers. Donc il y aura des prisonniers qui seront, les prisons qui seront ouvertes. Exclusivement parce que le grand jour sera arrivé. Des personnes libres aussi, les courageux iront. Les jeunes hommes, les bangandos, les petits et les grands, ils seront. Mais on apprend que leurs chairs seront mangées par les oiseaux du ciel. Et nous, on va leur faire ça, mais terriblement dur. Parce que la puissance du royaume du Mashiach sera prête à matérialiser. C'est pourquoi, frère, sanctifions-nous. Argent ou pas argent, bien ou pas bien, mariage ou pas, richesse ou pas, sanctifions-nous. Ça va être terrible. On peut remettre le pas, s'il vous plaît, frères et sœurs. Verset 19. Donc, le jour de Yahweh aussi est matérialisé par quoi? Par le verset 19. Et j'ai vu la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour la guerre. C'est bien écrit, non? Et j'ai vu la bête. La bête ici, c'est l'antimachia, mais la bête aussi, c'est le faux prophète. Donc, j'ai vu la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre contre celui qui était monté sur le cheval et contre son armée. On peut enlever le passage. On peut enlever le passage, s'il vous plaît. Donc, on apprend ici que les rois et les armées de la terre feront la guerre contre qui? Contre celui qui était monté sur le cheval blanc. Et c'est qui qu'on a vu tout à l'heure, Apocalypse 1 et Apocalypse 16? C'est le Seigneur Yeshua. Donc, la bataille d'Amargédon, il fait guerre qui opposera l'armée du Seigneur, le Seigneur et son armée et les armées de la terre. Et qui seront concernés, on l'a vu, les rois, les puissants, les esclaves et les libres, les petits et les grands, et toutes les personnes qui voudront prendre part à cette guerre. Et on a vu ici que les oiseaux du ciel devaient être, n'est-ce pas, préparés. Le Seigneur a dit aux oiseaux de venir parce qu'ils devaient manger la chair des puissants. Donc ça va être un jour de terreur, ça va être un jour terrible. Amen. Donc on est sur la bataille d'Amargédon. On va prendre un autre passage. Est-ce qu'on peut, on va prendre Apocalypse
chapitre 19 à partir du verset 20. Donc on parle du jour de Yahweh, là on dit de voir tous les événements qui sont dans le jour de Yahweh. Donc ici on a dit de voir la bataille d'Armageddon. Et là on va voir un autre événement aussi, verset 20. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait produit devant elle les signes par lesquels ils avaient égaré ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Et ils furent tous les deux jetés vivants dans le lac de feu brûlant, dans le soufre. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? On apprend que la bête et le faux prophète, eux, ils ne prennent pas part de façon directe. Ils ne prennent pas fait à la bataille d'Armageddon, pas de façon directe. Mais on apprend qu'à cet instant, lors de la bataille d'Armageddon, la bête et le faux prophète sont jetés vivants dans le lac de feu et de soufre. Donc, le jour du Seigneur, c'est aussi le jugement du faux prophète et de la bête. Selon Apocalypse 19, 20 qu'on vient de lire, on peut le remettre sur l'écran s'il vous plaît. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait produit devant elle les signes par lesquels ils avaient égaré ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Et ils furent tous les deux jetés vivants dans le lac de feu brûlant, dans le soufre. Donc on apprend ici que lors de la bataille d'Armageddon, le jugement du faux prophète et de la bête aussi va s'accomplir. Donc voici pourquoi c'est le jour de Yahweh. Parce qu'il intervient directement. Donc lui-même, il prend le faux prophète et il prend la bête. Il les jette vivants dans le lac ardent de feu de soufre. Dans la bataille d'Armageddon, c'est aussi le jugement de la bête et du faux prophète. On est toujours dans Apocalypse 19. On va lire la suite. À partir du verset 21. Et le reste fut tué par l'épée sortant de la bouche de celui qui est monté sur le cheval. Donc on apprend quoi? Que toutes les nations de la terre, oh mais ça va être terrible. Et le reste, donc les rois, les gouvernants, toutes ces personnes, et le reste fut tué par l'épée sortant de la bouche de celui qui est monté sur le cheval. C'est fort! Enlevons un peu le passage, s'il vous plaît, un instant, frère. On apprend ici que cette bataille, c'est vrai qu'on nous parle de bataille, mais il n'y a pas de bataille dans le sens de retour. Ils ne pourront rien nous faire. On apprend qu'une seule épée sort de la bouche du Mashiach. Oh frère, il y aura des milliards et des milliards de personnes qui seront là pour prendre part à la bataille d'Armageddon. Mais on apprend qu'une seule épée sort de la bouche du Mashiach et ça tue tous les humains. C'est puissant. Frère, nous prions le grand Elohim. Nous prions le véritable Elohim. C'est pourquoi ne baissons pas les bras. Notre espérance est vivante et réelle. La parole est là pour nous encourager, pour nous booster. Si tu étais tombé dans le péché, relève-toi. Car un chien vivant, nous dit la parole, vaut mieux qu'un lion mort. Même si tu es tombé dans un péché, le Seigneur ne te condamne pas. S'il permet que tu sois en vie, tu peux te relever. Relève-toi. Même si depuis des années, tu étais tombé, relevé, c'est pas grave. À partir d'aujourd'hui, prends la décision de suivre le Seigneur. Parce que ce jour-là arrive. Frère, tu ne veux pas être là à côté du Seigneur. Quand il viendra sur des nuées, avec des nuées, il viendra une gloire terrible. Remettons le passage, s'il vous plaît, les frères. Ce passage réveille puissamment, encourage mon esprit. Et le reste fut tué par l'épée sortant de la bouche de celui qui est monté sur le cheval. Et l'accomplissement de la suite, c'est quoi? Et tous les oiseaux furent rassasiés de leur chair. Donc on apprend ici que les oiseaux du ciel vont bel et bien manger la chair des rois. On peut enlever le passage, s'il vous plaît, les frères. Dans la bataille d'Armageddon, l'épée va sortir et les nations vont être frappées. Et les oiseaux du ciel vont manger la chair des habitants de la terre. C'est pourquoi, frères, aujourd'hui, il y a tellement d'injustice. Il y a tellement de haine et de méchanceté. Mais il y a un royaume qui arrive, comme on verra peut-être le vendredi prochain. Il y a un royaume qui arrive. Le royaume du Mashiach. Ce royaume-là, on ne va pas le vivre au ciel. Ce royaume de mille ans, ce sera sur la terre là. Il y a un royaume qui arrive où il y aura la justice. Où il sera les larmes de nos yeux. C'est pourquoi battons-nous pour acquérir ce royaume. C'est pourquoi il a dit, heureux les humbles, car ils hériteront la terre. Lors de son règne millénaire.
Donc on apprend ici que lors de la bataille d'Amargédon, il y aura aussi le jugement des nations, il y aura aussi en même temps le jugement du faux prophète, le jugement de la bête. Et on a vu aussi que, qu'est-ce qui se passe? Les oiseaux du ciel vont manger la chair des humains. Donc je vais récapituler en quelques mots avant d'avancer. Donc on a vu que le jour du Seigneur commence premièrement par l'avènement du Seigneur, par son retour physique. Donc il revient physiquement dans la gloire avec les nuées, avec l'épouse, avec sa chérie d'amour, l'Église, constituée de toutes les personnes qui auront accepté dans leur cœur le Seigneur comme Seigneur et Sauveur personnel, qui n'auront pas adhéré à une assemblée, à une secte ou à une religion, qui ne seraient pas des idolâtres d'un homme ou d'une assemblée, mais qui craindront le Seigneur. Et on a vu que lorsqu'il revient physiquement, qu'est-ce qui se passe? On démarre avec la bataille d'Amargédon. Et on a vu qu'à côté de la bataille d'Amargédon, il y a le jugement des nations. On va voir quelques passages encore. Donc la bataille d'Amargédon, on a vu que c'est la bataille qui oppose le Seigneur et les armées de la terre. Donc en même temps, il y a la bataille d'Amargédon, il y a aussi le jugement du faux prophète et de l'antimachia, la bête. Il y a aussi le jugement des nations. Alors on va prendre un passage pour poursuivre. Donc, on est dans Joël chapitre 3 à partir du verset 2. Donc, on va prendre quelques passages aussi pour parler du jugement des nations. Amen. Donc, on va prendre quelques passages pour parler du jugement des nations. Joël chapitre 3. On va lire à partir du verset 2. On peut lire à partir du premier verset pour une meilleure compréhension. Car voici, en ce jour-là et en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Yehuda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations. Donc on parle du rassemblement des nations. Je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Et là, j'entrerai en jugement avec elles à cause de mon peuple, d'Israël, mon héritage qu'elles ont dispersé parmi les nations et de mon pays qu'elles se font partager. Verset 3. Elles ont tiré mon peuple au sort. Elles ont donné l'enfant pour une prostituée, elles ont vendu la jeune fille pour du vin et elles ont bu. Donc ici, on apprend que le Seigneur va rassembler les nations à la vallée à la montagne de Josaphat. Donc ici, on nous parle du jugement des nations. C'est vrai que la bataille d'Amargédon fait faire le jugement des nations, amen. Mais ici, on nous parle aussi du jugement des nations par rapport on va prendre Matthieu chapitre 25. Donc la bataille d'Amargédon, la guerre qui rassemble les armées du ciel. Donc on est dans Matthieu chapitre 25 à partir du verset 31. Donc là on est en train de voir un tout petit peu sur le jugement des nations. Matthieu 25 à partir du verset 31. Et quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, donc on a vu que lorsqu'il vient dans sa gloire, fait en la parousia et accompagné de tous les saints anges, alors il s'affiera sur le trône de sa gloire. Et toutes les nations seront rassemblées devant lui, et il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Donc il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. On vérifie que les brebis, là, il s'agit d'abord des juifs. On sait que l'église ne sera plus là, l'église aura déjà été enlevée. Donc il s'agit d'abord des juifs, n'est-ce pas, qui se convertiront. Mais il s'agit aussi des chrétiens qui se convertiront durant la grande tribulation. Ce sont eux qui sont considérés comme étant les brebis. Et les boucs ici, les boucs nous parlent des nations, les boucs aussi nous parlent de l'ivraie, donc des faux enfants du Seigneur. Verset 34, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Verset 35, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli. Donc on sait que ce passage ici concerne la grande tribulation. Parce que durant la grande tribulation, justement, il y aura des chrétiens qui se convertiront, qui donneront à manger aux juifs, parce que les juifs seront pourchassés, ainsi de suite, les juifs seront emprisonnés, et les nations, les chrétiens qui se convertiront, leur viendront en aide. Dans le verset 36, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Verset 37, alors les juifs lui diront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et que nous t'avons nourri? Ou avoir soif et que nous t'avons donné à boire. Et quand est-ce que nous t'avons vu étranger, que nous t'avons recueilli ou nu et t'avons nous vêtu?
Et quand est-ce que nous t'avons vu malade ou en prison que nous sommes venus vers toi? Et le roi répondant leur dira, amen, je vous le dis, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères. Donc on sait que les plus petits de ces frères dont il s'agit, c'est d'abord les juifs qui seront persécutés durant la grande tribulation. C'est à moi que vous les avez faites. Verset 41. Alors il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche, maudits, retirez-vous de moi et allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Verset 42. S'il vous plaît les frères, verset 42, concentration. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. Verset 43. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. Nu et vous ne m'avez pas vêtu, malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Verset 44. Alors ils répondront aussi en disant, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim ou avoir soif ou être étranger ou nu ou malade ou en prison et que nous ne t'avons pas servi? Alors ils leur répondront en disant, amen, je vous le dis, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Donc là, c'est un passage qui nous parle du jugement des nations lorsque le Seigneur reviendra. On peut enlever le passage sur l'écran, s'il vous plaît, les frères. Alors, donc on a vu ici le passage qui nous parle du jugement des nations, notamment celui de Joël 3 qu'on a lu. Donc, le Seigneur revient physiquement, bataille d'Armageddon, jugement des nations, jugement du faux prophète, de la bête et de tous les impies, bataille d'Armageddon, et on va voir un autre événement. Donc après ces événements, après le jugement des nations, après la bataille d'Armageddon, on va finir bientôt, après le jugement des nations, après la bataille d'Armageddon, il y a un événement qui se passe. On est dans Apocalypse chapitre 19 à partir du verset 20. Apocalypse chapitre 19 à partir du verset 20. Apocalypse 19 à partir du verset 20. Excusez-moi, on va plutôt prendre Apocalypse chapitre 20 à partir du premier verset. C'était une erreur. Apocalypse 20 à partir du premier verset. Donc, Apocalypse 20 à partir du premier verset dit, « Et je vis un ange descendant du ciel, ayant la clé de l'abîme, une grande chaîne dans sa main. Et il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Verset 3. Et il le jeta dans l'abîme, et il enferma et mit le sceau sur lui, afin qu'il n'égare plus les nations, jusqu'à ce que 1000 ans soient accomplis. Après ces choses, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Donc on peut enlever le passage, s'il vous plaît. Donc ce passage nous parle de Satan qui est lié pour 1000 ans. Donc on voit que là, il y a la bataille d'Armageddon, il y a le jugement des nations, il y a le jugement du faux prophète et de l'homme impie. Mais si on nous parle d'un autre événement aussi, avant le royaume millénaire, il y a un ange. On peut remettre le passage s'il vous plaît sur l'écran, frère. Remettons le passage s'il vous plaît un instant sur l'écran. Donc ici on apprend que et je vis un ange à partir du premier verset. Et je vis un ange descendant du ciel. Donc on apprend ici que c'est un ange qui descend du ciel. C'est même pas le Seigneur lui-même. Donc, Satan qui aujourd'hui, on peut enlever le passage s'il vous plaît. Satan qui aujourd'hui torture les chrétiens, pourchasse, détruit la terre, on apprend que c'est un simple ange qui descend du ciel et qui va le lier pour 1000 ans. C'est ne même pas le Seigneur. On dit un ange. Et cet ange, ce n'est même pas Michael, le chef de l'armée. On dit et un ange descendu du ciel. Donc il y a un simple ange après la bataille d'Armageddon qui va prendre Satan, qui va le lier, qui va l'enchaîner. Donc Satan sera d'abord, avant son jugement, sera d'abord enchaîné pour 1000 ans et jeté dans l'abîme. L'abîme, ça nous parle d'un lieu aride. Donc il sera jeté dans l'abîme pour 1000 ans. Donc ici c'est
un jugement mais provisoire de Satan. Donc pendant 1000 ans, il sera enchaîné par un ange et jeté dans l'abîme. Amen. On termine dans quelques minutes. On va prendre un autre passage dans Zacharie chapitre 12. Zacharie chapitre 12. On finit dans quelques minutes. On voit un dernier point. Zacharie chapitre 12. On lira à partir du verset 10. Zacharie 12 à partir du verset 10. Et je répondais sur la nation, sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem, l'esprit de grâce et de supplication. Et ils regarderont vers Aleph et Tav, lequel ils ont percé. Et ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Et ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Verset 11. En ce jour-là, il y aura un grand deuil à Jérusalem, comme le deuil d'Adadrimon dans la vallée de Megiddon. Verset 12. Le pays sera dans le deuil, chaque famille à part, la famille de la maison de David à part, et les femmes de cette maison-là à part, la famille de la maison de Nathan à part, et les femmes de cette maison-là à part. Verset 14. La famille, verset 13. La famille de la maison de Lévi à part et les femmes de cette maison-là à part. La famille de Shimei à part et ses femmes à part. Verset 14. Toutes les autres familles, chaque famille à part et leurs femmes à part. On peut enlever le passage. Donc, le Zacharie qu'on vient de lire nous parle du jugement d'Israël. Parce que bien sûr qu'Israël sera jugé. Mais le jugement d'Israël ici concerne leur repentance, leur rétablissement, comme on l'a lu tout à l'heure. On peut remettre le passage. Donc Satan est lié et le Seigneur procède maintenant au jugement de son peuple. En fait, le jugement d'Israël nous parle de la purification d'Israël. Donc verset 10, « Je répondais sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem l'esprit de grâce et de supplication, n'est-ce pas ? Et ils regarderont vers Aleph et Tav, lequel ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils. » Donc ici, ce passage nous parle de la repentance, donc de la purification d'Israël qui est la nation du Seigneur. Et en ce jour-là, verset 11, il y aura un grand deuil à Jérusalem comme le deuil d'Adrimon dans la vallée de Megiddon. Donc on peut enlever le passage. Donc après que Satan aura été lié pour les 1000 ans, le Seigneur procède au jugement d'Israël. Et le jugement d'Israël est matérialisé par la purification d'Israël. Donc Israël est purifié. Un, il purifie le peuple. Deux, il répond sur le peuple une onction, un esprit de repentance, de supplication. C'est pourquoi on a vu tout à l'heure qu'ils vont, pleurer. Ils vont être dans le deuil. Parce qu'ils vont se rendre compte que, donc le Machia qu'on avait rejeté, qu'on avait haï, c'était bien sûr lui le Messie, le Machia. Donc après que Satan soit jeté lié pour 1000 ans, après il y a le jugement d'Israël. Le jugement d'Israël, c'est pas la condamnation. Amen. Ça parle, un, de la purification, et deux, n'est-ce pas, de l'esprit de supplication qui est répandu sur Israël. Parce qu'avant qu'on rentre dans le règne millénaire, il va falloir qu'Israël soit d'abord purifié, qu'Israël se répente autant pour moi. Donc Israël va passer par la repentance et la conversion. On va prendre, par exemple, Zacharie 13. Zacharie 13 à partir du verset 8. Zacharie 13 à partir du verset 8. Donc ici on parle du jugement d'Israël qui nous parle de la repentance et de la conversion de ce peuple. Zacharie chapitre 13 à partir du verset 8. Et je vais demander aussi aux frères de m'aider à retrouver un passage dont je pense Luc 21, Luc 22 ou 23 ou 20. Là où le Seigneur dit, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Je dispose du royaume en votre faveur. Comment on peut en disposer? Je ne sais pas si les frères peuvent m'aider aussi à le retrouver. C'est dans Luc 20 ou 22 comme ça. Luc 20, je crois, à partir du verset 22, vous allez m'aider tout à l'heure. Donc Zacharie chapitre 13 à partir du verset 8. Il arrivera dans tout le pays d'Yahweh que les deux tiers seront retranchés et périront. Mais le tiers, il restera. Donc on nous parle ici du tiers qui va rester, qui sera purifié. Pourquoi? Parce que le deux tiers, n'est-ce pas, qui sera à, le deux tiers, n'est-ce pas, sera retranché et périront. Certains diront la grande tribulation et ainsi de suite. Voilà. Mais on dit que mais l'autre tiers, il restera. Verset 9. Je mettrai ce tiers dans le feu
et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai ceci est mon peuple. Il dira Yahweh est mon Elohim. Donc on apprend ici, dans ce verset 8, il arrivera dans tout le pays, donc tout le pays dit Yahweh, que les deux tiers seront retranchés et périront. Donc on apprend que les deux tiers des juifs vont périr. Mais on apprend qu'il y a un tiers qui va rester. Et ce tiers-là qui sera purifié. Verset 9, je mettrai ce tiers dans le feu. N'est-ce pas? Verset 9, je mettrai ce tiers dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom, je l'exaucerai, je dirai ceci à mon peuple et il dira Yahweh est mon Elohim. On peut enlever le passage. Donc on apprend ici que Israël sera jugé, sera purifié et le Seigneur répandra sur Israël une onction de repentance. Donc ce tiers-là va être purifié par le feu, ce tiers sera sauvé. Et on apprend que ce tiers sera sauvé parce que le Seigneur se révélera à eux. Ils verront les clous qu'ils ont percés, ils verront les clous du Seigneur, ils verront les marques sur ses mains, sur ses pieds. Et ils réaliseront que c'était bien sur lui le Machia. Et ils se repentiront tous et le Seigneur répondra sur eux une onction de repentance, de supplication. Donc, on va prendre le passage que les frères l'ont trouvé. Je ne vois pas bien, c'est Luc combien? Je ne vois pas le passage. Luc 22, verset 28. On va le prendre, s'il vous plaît. Donc, on parle du jugement d'Israël. Le jugement d'Israël parle de la repentance. Donc, amen. Je le reprécise encore. Le jugement d'Israël parle de sa purification, premièrement, et de sa repentance. Donc, le Seigneur répond sur Israël, une onction de repentance. Le jugement d'Israël n'a rien à voir avec la condamnation. Amen. On a vu les passages. Luc 22, à partir du verset 28. À partir du verset 28. À partir du verset 28, s'il vous plaît. Mais vous, vous êtes restés avec moi d'une façon permanente dans mes tentations. Donc, premièrement, le premier contact, le Seigneur, ici, parle aux 12 disciples, aux 12 apôtres, verset 29. Et moi, je vous fais un testament pour le royaume, comme mon Père m'a fait un testament, afin que vous mangiez et que vous buviez à ma table dans mon royaume. Et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Donc le verset 20 nous intéresse, verset 30. Afin que vous mangiez et que vous buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. On peut enlever le passage. Luc 22, à partir du verset 28, attend donc nous parle du jugement d'Israël. Et on apprend que, je vais apporter deux précisions rapides. Le jugement des nations, c'est l'Église. C'est l'Église qui jugera les nations avec le Seigneur. Amen. Mais si on apprend que le jugement d'Israël ici concerne le Seigneur et les 12 apôtres. On peut remettre le passage, s'il vous plaît. Il ne faut pas qu'on dise que c'est une invention. Donc, ici, le contexte premier du passage de Luc 22, le Seigneur parle aux 12 disciples, aux 12 apôtres qui sont avec lui. Bien sûr, Judas Iscariote fait crucifier et aller en enfer. Donc, il était remplacé par Matthias, je crois, si j'ai bonne mémoire. Le verset 30 dit, afin que vous mangiez et que vous buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. On peut enlever le passage. Donc, le jugement d'Israël sera effectué, n'est-ce pas, par les douze apôtres. On peut aussi lire Romains 11 à partir du verset 12. Merci, nous sommes une équipe et on bénit le Seigneur. Donc, le jugement d'Israël sera effectué par le Seigneur lui-même, Machia, et les 12 apôtres de l'agneau. Ils seront assis sur 12 trônes et ils jugeront Israël. Et le jugement d'Israël, comme on l'a vu, nous parle de sa purification et de sa conversion. Ce n'est pas de la condamnation. Donc on est dans Romains, chapitre 11, à partir du verset 12. On peut me dire à partir du verset 11, s'il vous plaît, les frères, à partir du verset 11. Je dis donc, ont-ils trébuché afin de tomber? Nullement. Mais par leur chute, le salut est accordé aux nations pour les exciter à la jalousie. Verset 12. Or si leur chute est la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des nations, combien plus en sera-t-il quand ils se convertiront tous? Alléluia.
Donc ici, le jugement d'Israël, comme on l'a vu, comme on le voit encore ici dans Romains 11, 12, nous parle de leur purification, premièrement de leur conversion. Ce tiers-là sera purifié et sera converti. Ils seront donc sauvés. C'est pourquoi ne disons pas, arrêtons de maudire Israël parce que c'est la terre du Seigneur. Et ne disons nullement que l'Église a remplacé Israël parce qu'on l'a vu ici. Qu'ils ont été mis de côté pour un temps pour permettre aux nations païennes d'être sauvées. Et après cela, quand le Seigneur reviendra physiquement, il va juger Israël et ils se repentiront et se convertiront tous. On dit que qu'adviendra-t-il de leur conversion? Parce que justement, qu'ils vont se convertir, ce sera une bénédiction pour les nations. Pourquoi? Parce qu'après cette repentance d'Israël, on le verra le vendredi prochain, on rentrera dans le règne de 1000 ans. Donc on va lire un dernier passage dans Apocalypse 20 à partir du verset 4. Apocalypse 20 à partir du verset 4, on termine avec ce passage. Apocalypse chapitre 20 à partir du verset 4. Donc, Satan est lié pour 1000 ans. Après, il y a le jugement d'Israël. Et troisième et dernièrement, on expérimente la deuxième phase de la première résurrection. Donc, la première phase de la première résurrection, comme on l'avait vu, c'était l'enlèvement et la résurrection des chrétiens, des disciples du Seigneur. Donc, on voit maintenant la deuxième phase de la première résurrection. Apocalypse 20, à partir du verset 4. Et j'ai vu des trônes sur lesquels ils s'assirent, et le jugement leur furent donnés. Et les âmes de ceux qui avaient été décapités à la hache, à cause du témoin de Yeshua, et à cause de la parole d'Elohim, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas pris sa marque sur leur front ou sur leurs mains, vécurent en effet, et ils régnèrent avec le Mashiach 1000 ans. Verset 5. Mais les autres morts ne reviennent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Verset 6. Bénis et saints sont ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas d'autorité sur eux, mais ils seront prêtres d'Elohim et du Mashiach et ils régneront avec lui 1000 ans. On repart au verset 20, au verset 4. Donc, la seconde phase, on va voir pour terminer qui sont concernés par la seconde phase de la première résurrection. C'est vraiment important de le préciser. Alors, ils ont vu des trônes sur lesquels ils s'assirent et le jugement leur fut donné. Et les âmes de ceux qui avaient été décapités à la hache à cause du témoin de Yeshua et à cause de la parole d'Elohim. Donc, sont concernés par la deuxième phase de la première résurrection, tous ceux qui auront été décapités durant la grande tribulation. À cause du témoin de Yeshua. Et on dit à cause de la parole d'Elohim. Et tous ceux qui ont été décapités avant la parole d'Elohim, c'est tous les croyants de l'ancienne alliance qui ont été décapités, tels Esaïe et beaucoup d'autres prophètes. C'est pourquoi la présence de ceux qui ont été décapités à la hache, à cause du témoin de Yeshua, donc ceux qui sont venus après la nouvelle alliance, et à cause de la parole d'Elohim, donc ceux qui ont été décapités avant la nouvelle alliance, donc les croyants de l'ancienne alliance. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image. Donc, sont concernés, un, par la seconde phase de la première résurrection. Tous les croyants de l'ancienne alliance, en commençant par Adam et Ève, qui se sont repentis et qui seront sauvés, n'est-ce pas? Et aussi, deuxièmement, sont concernés par la deuxième phase de la première résurrection. Tous ceux qui seront décédés durant la grande tribulation, qui n'auront pas adoré la bête ni son image. Donc, on dit, et je vis des trônes sur lesquels ils s'assirent, et le jugement leur fut donné, et les âmes de ceux qui avaient été décapités à la hache, à cause du témoin de Yeshua et à cause de la parole d'Elohim, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas pris sa marque sur leur front ou sur leurs mains, vécurent en effet, et ils régnèrent avec Mashiach pendant 1000 ans. Donc, on va aussi prendre un autre, Apocalypse 7, à partir du verset 14, je crois. Donc, ils sont en train de voir, de terminer avec la deuxième phase de la première résurrection. Qui sont concernés par la deuxième phase de la première résurrection? C'est un, tous les croyants de l'ancienne alliance. Donc, on va parler depuis Adam jusqu'à celui qui est décédé jusqu'à celui qui est décédé avant la mort du Seigneur. Donc, cette résurrection concerne les Abraham,
Isaac, Jacob, les Ruth, les Esther, toutes ces personnes sont concernées par la deuxième phase de la première résurrection parce qu'ils reviennent à la vie. Après, on va basculer dans le règne de mille ans qu'on verra à partir de la semaine prochaine. Donc, on est dans Apocalypse, chapitre 7, je pense, à partir du verset 14. Remontons un peu, s'il vous plaît, les frères. Remontons un peu, remontons encore. Voilà, à partir du verset 9, c'est mieux. Après ces choses, je regardais et voici une grande foule que personne ne pouvait compter de toute nation et tribu et peuple et langue qui se tenait devant le trône et devant l'agneau vêtus de longues robes blanches et de palmiers dans leurs mains. Verset 10. Et il crie à grande voix en disant, le phallu est à notre Elohim qui est assis sur le trône et à l'agneau. Verset 11. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des anciens, et tous les anges se tenaient autour du trône et des anciens et des quatre êtres vivants. Et ils tombèrent devant le trône sur leur face et adorèrent Elohim. Verset 12. En disant, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action, le grâce, l'honneur et la puissance et la force soient à notre Elohim d'âge en âge. Amen. Verset 13. Et l'un des anciens prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de longues robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Verset 14. Et je lui dis, Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Donc on apprend que la deuxième phase de la première résurrection concerne aussi tous ceux qui viennent de la grande, qui connaîtront la mort durant la grande tribulation. Verset, et la suite dit, et ils ont lavé leurs robes, et ils ont blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau. Verset 15. C'est pourquoi ils sont devant le trône d'Elohim. Ils lui rendent leur culte jour et nuit dans son temple. Et celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Verset 16 aussi qui est intéressant. Ils n'auront plus faim ni soif. Et le soleil ne tombera plus sur eux ni aucune chaleur. Parce que l'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les guidera vers les sources vives d'eau. Vers les sources vives d'eau. Et Elohim essuiera toutes les larmes de leurs yeux. On peut enlever le passage s'il vous plaît. Donc la deuxième phase de la première résurrection concerne 1. Tous les croyants de l'ancienne alliance et 2. Toutes les personnes qui connaîtront la mort durant la grande tribulation. On parle de résurrection. Donc on retient que durant la grande tribulation, toutes les personnes ne connaîtront pas la mort. Donc il y aura des personnes qui arriveront dans le royaume avec leur corps physique. On le verra la semaine prochaine parce qu'ils n'auront pas connu la résurrection. Mais on voit ici que la deuxième phase de la première résurrection c'est 1. Tous les croyants de l'ancienne alliance et 2. Toutes les personnes qui seront décédées durant la grande tribulation, pas de résurrection. Pourquoi? Parce qu'ils auront connu la mort. Il faut que leur corps, n'est-ce pas, revêt l'incorruptibilité. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait voir aujourd'hui concernant le jour de Yahweh. Donc le jour de Yahweh commence avec l'avènement du Seigneur avec son retour physique. Deuxièmement avec la bataille d'Armageddon. Troisièmement, le jugement des nations. Quatrièmement, le jugement du faux prophète et de la bête. Cinquièmement, le jugement partiel de Satan qui sera jeté lié pendant 1000 ans dans l'abîme. Et on a aussi vu que le jour de Yahweh concerne aussi le jugement d'Israël, donc de leur repentance, leur purification, de leur conversion. Et là, on a juste abordé un autre point, qui est celui de la seconde phase de la première résurrection, qui est la résurrection de tous les croyants de l'ancienne alliance et de tous ceux qui et des croyants et des chrétiens qui connaîtront la mort durant la grande tribulation, encore de leur foi, qui reviendront à la vie. Donc voilà un tout petit peu ce qu'on pouvait voir concernant le jour de Yahweh. J'espère que la parole nous a encouragés et nous a éclairés, car ces choses sont réelles et véritables. Je voudrais pour terminer prier avec vous. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour cette espérance qui est vivante, qui est réelle. Tu reviens dans ta gloire. Seigneur, nous voulons être avec toi, nous voulons partir. Nous ne voulons pas rester, nous voulons vivre toutes ces belles choses. Et nous voulons, Seigneur, être du bon côté, Seigneur. Permets-nous d'être du bon côté en nous gardant dans la foi, en nous gardant dans l'obéissance, dans la sainteté. Et Père, tu sais que nous sommes des hommes faillibles. Seigneur, lorsque nous commettons des fautes, des erreurs, lorsque nous péchons, Père, nous voulons nous repentir instantanément, Seigneur, afin d'être prêts en permanence quand tu reviendras. Bénis toutes ces personnes qui nous suivent et qui nous ont encore regardés ce soir. Que ta grâce, que ta faveur soit
répandu dans leur famille, dans leur maison. Tu vois, tous ceux qui ont les cœurs brisés, blessés, guéris les cœurs au nom puissant de Yeshua. Que toute la gloire te revienne au nom de Yeshua. Amen. Donc, en même temps, juste vous rappeler que demain, par la grâce du Seigneur, à partir de 14h, si j'ai bonne mémoire, nous aurons une émission qui portera sur l'Église et son fonctionnement. Donc, soyez câblés, on verra beaucoup de bonnes réalités. Donc, je ne serai pas seul, je serai avec, il y aura Ivra et Tanguy, comme la dernière fois, par la grâce du Seigneur, et on abordera le thème sur le fonctionnement de l'Église. Et aussi rappeler qu'on aura un autre direct le dimanche à partir de 9h, à partir de 10h, donc il y aura un thème qui portera sur l'adoration et la louange, et les frères partageront à cet effet des cantiques. Donc je vois le 06 01 20, dans le 060 12 04 29. Donc c'est pour envoyer des messages si vous avez des questions. Voilà. Donc nous aurons un direct, premier direct dimanche à partir de 10h. Donc il y aura des frères et des sœurs qui vous entendront sur la louange et l'adoration, et ils partageront des cantiques avec vous par la grâce du Seigneur. Et le même dimanche à partir de 14h, nous aurons aussi un autre direct où nous passerons du temps dans la prière. Donc nous parlerons peut-être un tout petit peu de la prière, mais nous passerons du temps de prière. Donc si vous êtes là avec nous, si vous avez des sujets de prière pour vos vies, pour vos familles, vous pourrez les apporter librement, car nous voulons ensemble élever des parfums agréables au Seigneur. Donc merci encore de nous avoir regardés. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée chez vous.